tu as perdu ton réchaud. Il n'y a plus personne ailleurs. Vas-y, fais, continue. Un peu planté, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, sans trop savoir ce de la gueule. Hey yo, tu connais Jolie Bigou? Par cœur, je connais par cœur. J'ai laissé deux messages. Considérer le, la j'ai laissé deux messages au mec de Guillaume. Il m'a même pas rappelé. C'est pas gentil. Hein. Et dites-moi si la réservation allait payer ou pas. Je sais pas. C'est 130. Là, fait qu'on a trouvé 130 euros pour 2 jours. C'est pas cher. Voilà, le week-end dernier, c'était 80 euros, 90 euros. J'espère que c'est un lac 432. Ça fume. Oui, pour te dire. Ah ouais? Comment ils sont les mecs? Merci Michel, votre appartement à Guillaume est réservé. Oh, wow. Merci Michel. Merci maître. Son mec. Je mets plus de grâce. Un sac d'eau sur la tronche, hein, Henri. Ouais, alors, bon. Elle risque de pas trop l'apprécier, quoi. Demain, qu'est-ce qu'elle est allée s'occuper, Nathalie, hier? Oh, hier, au téléphone. Ouais, je réserve. J'ai dit, mais attends, Nathalie, attends. Il y a 25 jours, j'ai dit. Ouais, mais faut le faire tout de suite. C'est les trucs à la gonzesse. Faut le faire vite. Toi, là, t'as même pas capté que le jour où j'étais à Bouchenière, le lendemain, ma mère et mon père, ils étaient. Bah si, tu me l'as dit.
J'espère qu'ils ont eu du beau temps, parce que nous, quand on est partis, il pleuvait presque. Ah, mais moi, Nathalie, elle m'a dit, parce que Feg, le 24 juin, il lâche les taureaux et tout. Oh, Feg, tu m'écoutes. Il y a des taureaux de Camargue qui viennent à Bouchanière, à Guillaume. Il lâche les taureaux, les vaches et tout. Et donc, c'est le 24 juin. Et Nathalie, elle m'a dit, il faut qu'on réserve vite. J'ai dit, bon, ok. Moi, j'ai réservé 2 jours avant. Heureusement qu'elle ne savait pas, elle aurait craqué. Mais ça a marché. Et elle a voulu réserver hier. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle n'a pas réussi. Ma carte bleue, ça n'a pas marché. Enfin, voilà. J'ai dit, mais calme-toi. J'ai dit, calme-toi. Tu sais comment sont les nanas. Ça va, il y a... Il y a 25 jours. J'ai dit, ça va, il faut se calmer. Mais c'est les nanas, hein, c'est les nanas. Et tout à l'heure, on a mangé ensemble. Ouais, mais si j'attends toi, on va pas y arriver. J'ai dit, en attendant, moi, j'ai réservé 3 jours avant. Ça a marché. Oui, elle est partie presque en colère, la Miss Nathalie, tout à l'heure. J'ai dit, calme-toi. Ouais, mais je l'ai fait par l'ordi, moi. Ça devait marcher, je comprends pas. Je sais pas que ça fait vraiment chier. Une bonne femme. Bon. Si on a une en bas, je sais pas qu'est-ce qu'elle attend, je comprends rien ce qui se passe. Non, elle est sur son iPad. Non, tranquille. C'est un scandale si tu l'as fait monter cet attend, en temps de faire l'assaut. Pourquoi c'est un scandale? Je te demande. Mais j'ai peur. Pourquoi? Parce que c'est Jacques Amphi. J'ai peur. Je vais dire pourquoi, mais... Oui, ils appellent, quand ils sont combien? Tu vas leur dire, mec, tu vas leur dire, accroche-toi bien, hein. Tiens la camisole. Accroche-toi, Jeannot. Tu vas tranquille. Monsieur. Ça, c'est une Led Zepp. Et quand on va, ouais. Tranquille avec son iPad. Fait, je sais pas quoi faire. Oh, ben, oh. Ne fais pas l'enfant, hein. T'étais monté chez la Ruskoff et tout, hein. Oui, hein. C'est allé voir la Christine et tout. C'est un peu possible. Ah. Ah bon? Bonjour. Tout à l'heure que Nathalie elle s'énerve là, je dis calme-toi. Je dis calme-toi, l'ordinateur, on va y arriver. Bon, on va caler. Bon, oh, ça doit être la Sophie. Putain, ça file non plus. Oh merde. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est celui-là qui l'a trouvé par terre. Voilà. Bon. T'as un texto? Ouais. Il y a un message. Bon.
On a rien dit, c'était pas nous, on était pas là.